À la une de l'actualité ce soir, une commission ad hoc pour travailler à l'apurement du passif du foncier urbain au Burkina après les révélations de l'enquête parlementaire. Elle vient d'être installée ce matin. Que peut faire concrètement cette commission sur le terrain? Des parcelles seront certainement retirées, mais vont-elles servir à la construction des 40 000 logements? On en parle avec le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat qui est notre invité. Un sujet religion dans ce journal. Les chrétiens observent en ce moment la période de carême qui précède Pâques. Et vendredi, c'est le jour du chemin de croix, un acte dévotionnel considéré comme une tradition catholique qui perpétue la passion du Christ. Quelle signification donner à cette procession? Élément de réponse à suivre dans cette édition. Comme assez, le Premier ministre reçoit une délégation de forces ouvrières de France. Une audience qui a permis à Paul Kabatieba et à ses hôtes d'échanger autour du PNDS, mais aussi du dialogue social au Burkina. Le point est avec Kadisa Nogo. Une délégation du syndicat des forces ouvrières de France en séjour au Burkina chez le Premier ministre. Avec Paul Kabatieba, les échanges ont porté sur le programme national de développement économique et social PNDS. Les relations de forces ouvrières en France avec l'ONSL sont de vieilles relations anciennes que l'on va continuer à développer. Moi, j'ai tenu à dire au Premier ministre également que l'initiative du programme national de développement économique et social était une initiative importante. Que nous soutenions, y compris vis-à-vis du gouvernement français. Le Burkina est un pays qui mérite plus en termes de situation économique et sociale qu'aujourd'hui et qu'il faut un projet. Ce projet, c'est ce PNDES, accepté d'ailleurs par l'ONSL. Il a aussi été question du dialogue social. Nous avons appris aussi qu'il y avait la création d'un haut conseil du dialogue social et la discussion avec le Premier ministre a montré que le gouvernement a effectivement la volonté d'accroître les investissements à la fois dans l'éducation, dans la culture, les investissements d'infrastructures qui sont indispensables pour un développement fort et nécessaire du Burkina Faso. Depuis 1969, le syndicat des forces ouvrières de France entretient de bonnes relations de fraternité et de solidarité avec l'Organisation nationale des syndicats libres du Burkina. Dans l'actualité ce soir, une enquête parlementaire avait révélé il y a quelques mois de graves malversations dans l'attribution de parcelles au Burkina. Plus de 100 000 parcelles attribuées irrégulièrement. Après cette enquête, l'exécutif s'est à présent saisi du dossier et se propose de travailler à l'apurement du passif foncier urbain. Une commission ad hoc vient d'être installée pour conduire les travaux. Le film La cérémonie d'installation avec Tanga Robert Kafando. Placée sous l'égide du Premier ministre, la commission comprend le ministre en charge de l'administration territoriale, celui en charge de l'urbanisme, le ministre en charge des finances, le ministre en charge de la justice et des droits humains, le ministre en charge de l'environnement et celui en charge de l'action sociale. La commission a pour mission de proposer des solutions à l'apurement du passif foncier tel que soulevé par l'enquête parlementaire et pour une meilleure gestion foncière. Tous les cas qui seront décelés dans d'autres communes pourront faire l'objet de travaux de commission ad hoc. Et l'objectif, c'est d'abord de répondre aux résultats des travaux de la commission d'enquête parlementaire. La commission aura également pour mission importante de revoir tout le dispositif juridique. Vous savez que dans le passé, les attributions se faisaient par les maires, etc., etc., avec tout ce que cela a apporté comme dysfonctionnement. Donc la commission va proposer la relecture des textes afin d'y instaurer beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de visibilité et beaucoup plus d'équité. Et pour y arriver, la commission interministérielle va mettre en place des commissions régionales et communales et une cellule de coordination qui, dès son installation, aura 6 mois pour livrer son rapport. Et que peut faire concrètement cette commission sur le terrain? Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat est notre invité, Maurice Dieudonné Bonané, et bonsoir. Bonsoir. Merci de venir répondre à nos questions et de nous donner des éclairages. Concrètement, qu'attendez-vous de cette commission sur le terrain? Je voudrais vous remercier de l'occasion que vous nous offrez de nous exprimer sur vos antennes, sur l'installation effective de cette commission interministérielle chargé donc d'apurer
le passif sur le foncier urbain. Je profite encore de l'occasion pour féliciter l'Assemblée nationale à travers sa commission d'enquête parlementaire qui a fourni un travail important dans le cadre de la gestion du foncier urbain au Burkina Faso. Effectivement, l'Assemblée a déposé son rapport en fin octobre au niveau du gouvernement. Et comme nous l'avons toujours dit, le gouvernement du Premier ministre Paul Kaba Tieba a inscrit la rupture par rapport à un certain nombre de pratiques négatives. Et dans le domaine du foncier, tout le monde l'a constaté, la gestion du foncier au niveau de nos villes a été désastreuse de par le passé. Donc cette commission interministérielle, sur la base du rapport que la commission d'enquête parlementaire a déposé, cette commission interministérielle donc va mettre en place des structures au niveau des régions, au niveau des communes, au niveau des arrondissements, afin de se pencher de manière plus détaillée sur toutes les dérives et les graves dysfonctionnements qui ont entaché la gestion du foncier urbain au Burkina Faso. La commission également aura pour mission de proposer des réaménagements au niveau du dispositif juridique, à savoir la relecture des textes, afin, comme nous l'avons dit, d'apporter plus de transparence, plus d'équité dans la gestion des parcelles au Burkina Faso. On l'a vu, Monsieur le Ministre, ces problèmes ont été aggravés par souvent ces questions de promotion immobilière. Qu'est-ce qui va être fait à ce niveau ? Effectivement, je voudrais dire qu'au niveau du gouvernement, il y a deux mesures fortes qui ont été prises dans le cadre de la suite réservée donc au rapport de la commission d'enquête parlementaire. Nous avons décidé le retrait de l'agrément de promotion immobilière au niveau de deux sociétés qui ont été épinglées dans le rapport pour des manquements graves à la législation dans notre pays. Il s'agit notamment de la société de promotion immobilière Sokogib et de la société de promotion immobilière Satmo. Les zones concernées notamment, c'est la zone de Ouaga 2000, c'est la zone de Yagma et la zone de Nyoke 2. Et je tiens à le dire, ce n'est pas une chasse aux sorcières. Toutes les sociétés qui auront failli au respect des textes en matière de promotion immobilière seront traitées de la même manière. Et on l'a vu, il y a des promoteurs immobiliers qui se sont mués en des vendeurs de parcelles purement et simplement. Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est toutes ces dérives que nous allons corriger. Nous comptons donc revoir la législation et surtout l'application des textes. Parce qu'il faut se le dire aussi, de par le passé, il y a eu beaucoup d'insuffisances dans l'application des textes. Au lieu de promotion immobilière, c'était de la spéculation foncière, etc., etc. Donc la collaboration des populations, la collaboration des différents acteurs, que ce soit la société civile, que ce soit les coutumiers, est très importante dans le cadre de l'appurement de ce passif sur le foncier urbain. Monsieur le ministre, des agents de l'État ont été mis en cause dans les conclusions de l'enquête parlementaire. Et la nouvelle commission a-t-elle compétence pour statuer sur leur cas ? Des instructions ont été données par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, lors de l'examen du rapport pour que tous les agents de l'État qui ont été fautifs à quelque niveau que ce soit, soient sanctionnés en respectant donc les procédures en la matière qui régissent donc les agents publics. Il en est de même que le côté judiciaire, comme vous le savez, il y a l'indépendance de la justice. Le ministre de la Justice a transmis au procureur du Faso des différentes localités, les dossiers pour les suites judiciaires, comme ils le disent dans leur jargon, les suites judiciaires éventuelles. Il y a aussi le fait que, bon, il y a des politiciens souvent qui ont des connexions avec les promoteurs immobiliers et les autres intervenants dans les domaines de parcelles. Qu'est-ce qui va être garanti pour cette commission
afin qu'elle puisse faire son travail dans la transparence. Je disais donc que la commission va se décliner en sous-commissions au niveau régional, au niveau communal et au niveau des arrondissements. Dans ces sous-commissions, en dehors des représentants des différents ministères dont l'installation a eu lieu ce matin, en dehors de ces représentants, vous aurez les représentants de la société civile, vous aurez les représentants des autorités coutumières. Donc, il est fait appel à un sursaut à la limite nationale pour que définitivement nous réglons dans ce pays les dérives graves sur la gestion du foncier dans nos centres urbains. Alors, quelles sont les contributions attendues des populations pour la réussite des travaux de cette commission? Les contributions attendues, et là nous allons naturellement déclencher une campagne médiatique pour informer les populations, pour les appeler à une collaboration, à une contribution effective en dénonçant les situations irrégulières, en aidant les différentes commissions à trouver des solutions aux problèmes posés. Je prends un exemple. Il y a eu des attributions irrégulières dans certaines communes, dans certains arrondissements, mais qui sont du fait des structures de l'État. Des familles, innocemment, ont eu peut-être à payer des parcelles, ont construit des maisons et sont dans des situations difficiles actuellement parce que, étant dans le lot des parcelles qui ont été irrégulièrement attribuées. Donc les différentes commissions ad hoc vont faire le point de toutes ces situations et, en fonction des réalités, vont proposer à la commission interministérielle des solutions. Oui, des parcelles seront certainement retirées, mais est-ce qu'elles vont servir à la construction des 40 000 logements ? Naturellement, les parcelles qui seront retirées dans le cadre de la promotion immobilière vont servir en partie au programme de construction des 40 000 logements. Ce programme s'étend sur tout le territoire national. Voilà pourquoi nous précisons que ces parcelles serviront en partie à ce vaste programme. Oui, et il y a aussi, Monsieur le Ministre, que des travaux sont en cours à Gawa, dans le sud-ouest, pour la construction des logements du 11 décembre. Quelles sont les innovations, certainement, quels sont les enseignements que vous avez tirés des cas de Dori et de Koudougou où on a des cités inhabitées et pour ne pas reproduire les mêmes schémas d'échecs à Gawa? Bien, comme je l'avais dit tantôt, notre action s'inscrit dans la rupture par rapport à toutes les pratiques négatives et par rapport aux insuffisances qui ont entaché un certain nombre de programmes. Vous prenez le programme de construction pour les festivités du 11 décembre. Vous avez parlé de Koudougou, vous avez parlé de Dori. D'abord les salles. Vous avez vu les salles polyvalentes de plus de 1000 places qui, dès que les festivités sont finies, n'ont pas de locataires, n'ont pas d'utilisateurs parce que les coûts ne permettent pas à ce stade-là d'avoir des preneurs et de pouvoir entretenir l'infrastructure. Donc nous avons décidé de réduire la dimension de ces salles pour permettre aux collectivités locales de pouvoir les gérer. Le deuxième aspect, c'est les cités des forces vives. Là également, nous avons décidé d'une rupture avec cette vision. Et dorénavant, pour ce qui est du 11 décembre, nous allons encourager la promotion immobilière. Quand vous voyez pour ce qui a été fait à Gawa, je crois que les Gawalais pourront vous le dire, nous avons ouvert une souscription où présentement nous sommes à plus de 1500 souscripteurs et il est prévu un programme de près de 450 logements dans lesquels vous aurez les différents standing, les logements sociaux, les logements économiques, etc., etc. De manière à ce que, après les festivités, les populations puissent habiter ces logements et éviter les images que nous avons vues où l'État investit des sommes importantes pour viabiliser, c'est-à-dire la voirie, les caniveaux, etc. Et après, les particuliers également investissent beaucoup pour construire des logements de grand standing qui ne servent à rien après les festivités. C'est un gâchis sur tous les plans. Nous allons donc rompre avec cela pour ce qui est des festivités dans les villes
futur. Maurice Dieudonné, bonne année, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Merci d'être venu répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et certainement qu'on vous recevra pour reparler encore de cette commission ad hoc sur le foncier urbain au Burkina. Merci. Dans la suite de l'actualité, Fada dans l'est du Burkina a désormais un siège pour la cour d'appel de la ville, un bâtiment inauguré ce jeudi par le ministre de la Justice. Le bâtiment aura coûté environ 1,7 milliard de francs CFA. Son confort doit davantage permettre à ses occupants d'offrir des services de qualité. Mahamadi Ouedraogo sur place à Fada Ngourma. La cour d'appel de Fada Ngourma est désormais fonctionnelle. Cet établissement qui a coûté 1,750 milliards de francs CFA au budget de l'État est érigé sur une superficie de 3 hectares. Il est composé de 2 étages, 3 salles d'audience et 60 bureaux administratifs. Cette juridiction du second degré statue les décisions rendues par les tribunaux des grandes instances. Elle statue également sur les dossiers de criminalité en premier et dernier ressort. Il y a 5 tribunaux de grande instance qui vont être servi par cette cour, ce qui va permettre d'accélérer les procédures et de rendre l'accès à la justice réel. Et de cette façon, la création de la cour d'appel de Fada contribue à la réalisation du PNDS, notamment en son objectif stratégique 1.1 qui vise à promouvoir la bonne gouvernance. Donc en même temps, j'invite les uns et les autres à privilégier bien évidemment ces voies de droit. À cette cérémonie inaugurale, les membres de la cour d'appel de Fada Ngourma en séance tenante pris fonction. Ensemble, ils s'engagent à fournir une justice de qualité aux justiciables. Nous allons travailler sur les acquis consolidés de nos aînés à procurer à la population une justice équitable et briser la barrière qui existe entre magistrats et justiciables. Les justiciables ont une part de contribution. Nous leur demandons la compréhension et la patience dans tout ce que nous faisons. Le cercle de compétences de la cour d'appel de Fada Ngourma couvre les tribunaux de grande instance de l'Est et du Centre-Est. Cette juridiction est la troisième au Burkina Faso, après celle de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. Les vendeuses de légumes du marché de Nioko 2 dans la périphérie de Ouagadougou, touchées par un incendie ce matin. Le feu, dont l'origine n'est pas encore connue, a consumé des hangars, mais aussi touché un entrepôt non loin du marché. Le constat avec Christine Koulibaly et Moussa Ouedraogo. Désemparé, Adjaratou observe avec un regard inquisiteur son hangar réduit en cendres. Elle qui venait de s'approvisionner. Les oignons que j'ai pris ce matin valent 100 000 francs, sans compter ce que j'avais qui valait 10 sacs, plus la tomate et les aubergines. Tout est parti. C'est aux environs de 9 heures que tout serait parti du côté du marché, pourtant peu occupé ce vendredi. À notre arrivée au niveau du marché, effectivement, il y a des hangars qui étaient en flammes. Voilà, donc, le premier chef d'agrès a eu des difficultés du regard que la population encombrait un peu le passage pour stationner l'engin et pouvoir commencer les opérations. Ils sont venus trouver que bon, tout était parti ensemble, mais bon, on a essayé de récupérer ce qui était récupérable. Bon, on a essayé de pratiquer une technique de contre-feu, soit en enlevant les hangars en paille, voilà, pour éviter la propagation du feu là sur tout le marché. C'était la débandade totale, chacun se cherchait, bon même bon. Et les femmes qui sont les premières victimes, elles ont cherché premièrement à faire sortir leurs enfants. Bon, c'est ce qu'elles ont pu faire, bon, il y a d'autres qui sont évanouis. Si pour l'instant l'origine de cet incendie reste à déterminer, le désordre ambiant du marché n'était pas pour faciliter les choses. C'est le quatrième incendie que nous connaissons. Cela est dû au hangar en paille, dont nous demandons de l'aide pour construire des hangars avec des tôles et délimiter des passages. En attendant, c'est un coup dur porté à l'autonomisation économique des femmes, principales victimes de cet incendie. Au moment où nous quittions les lieux, les soldats du feu tentent de maîtriser les flammes dans cet entrepôt d'une entreprise de la place accolée au marché.
Un sujet de réjouillon dans ce journal, les chrétiens observent en ce moment la période de carême qui précède Pâques. Et vendredi, c'est le jour du chemin de croix, un acte dévotionnel considéré comme une tradition catholique qui perpétue la passion du Christ. Quelle signification donner à cette procession? On essaie de comprendre avec Consoum Koulibaly, Moussa Ouedraogo et Vincent Tiendrebego. Le soleil de midi n'a pas raison de leur dévouement. À l'église de la Rotonde, des fidèles catholiques marchent, s'arrêtent. C'est le chemin de croix, une pratique qui accompagne le carême dans l'église catholique. Un carême qui a lieu chaque année dans les 40 jours avant Pâques. Mais quel en est vraiment le sens pour le fidèle? Le carême, qui signifie 40 jours avant la célébration de la fête de Pâques, est un temps spirituel de préparation à la fête de Pâques, qui est la fête de la résurrection pour les chrétiens. Et pendant ces 40 jours, les chrétiens sont invités à travers différentes pratiques, notamment à travers la prière, le jeûne et l'aumône, à une transformation intérieure, afin de correspondre davantage à la volonté de Dieu, pour vivre mieux les commandements de Dieu, aimer Dieu et aimer son prochain. 14 étapes essentielles marquent le parcours du chemin de croix. Ces étapes illustrent des faits qui ont marqué les derniers jours du Christ sur la terre, selon la foi chrétienne. C'est une dévotion en 14 étapes où on se remémore les différents moments pendant lesquels le Christ est passé du jugement, de l'accusation au jugement, à la condamnation et à la crucifixion. Alors, lorsque on fait cette pratique-là, on veut d'abord s'associer et communier aux souffrances du Christ pendant ce chemin de la croix et demander également que ces souffrances du Christ-là puissent être une souffrance rédemptrice pour nous. Pendant les 40 jours du carême, les fidèles sont censés se consacrer davantage à la piété selon une tradition chrétienne. Ils s'abstiennent de certains aliments comme la viande ou l'alcool certains jours de la semaine. Cette période de pénitence prend fin avec la célébration de Pâques. On en vient à cette trouvaille, un métier à tisser qui tisse seul. C'est une machine qui n'a pas besoin de personne pour tisser des pains. Une découverte qui pourrait améliorer la qualité et la quantité des pains façon d'Anfani. Qui est à l'origine de cette invention? Comment il fonctionne? Zalissa Sanfo est allée aux nouvelles pour nous. Compte rendu. Le métier à tisser de grand-mère. Version améliorée. Proposé ici par un jeune chercheur New Love, Issa Kwashiator. Avec sa machine, finit donc les longues heures passées sur une chaise à répéter les mêmes mouvements. Il suffit de le mettre en marche et de vaquer tranquillement à ses occupations ou même de passer une bonne nuit de sommeil pendant que la machine tisse toute seule. L'objectif en fait c'est de faire baisser le coût des façons d'enfant. Mais si on tisse à la main, ça sera difficile de pouvoir baisser ces coûts-là. Donc nous, pour nous l'objectif en fait c'est de faire en fait que des machines tissent plus rapidement pour en fait de pouvoir baisser le coût en fait des pains façon d'enfant. Cette machine, dénommée Protec par son promoteur, est un assemblage de matériel issu de la récupération dont lui seul connaît le secret. Le tout connecté à une plaque solaire. Ici, on est en train de présenter un prototype qui peut tisser de deux pains. Mais les machines, en fait, en général, tous les calculs que nous avons faits, ça fait que les machines peuvent tisser entre 5 pains et jusqu'à 30 pains par jour et par machine en 24 heures. Et surtout que ces machines fonctionnent au solaire, ça fait qu'il n'y a pas de coût supplémentaire dépensé à l'énergie. L'équipement entier de cette machine à tisser coûte 1,5 million de francs CFA. Et puis le CENU, le Centre National des Œuvres Universitaires, reçoit des ordinateurs de la LONAB, du matériel informatique qui devrait aider à résoudre les difficultés que rencontre l'Université de Ouagadougou. Maïmouna Traoré. L'insuffisance d'outils informatiques dans les universités publiques du Burkina, un handicap dans la formation complète des étudiants. C'est au vu de ce manque à gagner que la Nationale des Jeux du Hasard a jugé nécessaire de répondre à la doléance du Centre National des Œuvres Universitaires, CENU. L'outil informatique aujourd'hui est très nécessaire pour les recherches des étudiants. Ce n'est pas comme de par le passé où il fallait tout chercher dans le livre. Maintenant,
l'outil informatique. Ça permet aux étudiants de faire la recherche personnelle. Pour les principaux bénéficiaires, ce don vient à point nommé et sera judicieusement exploité. Je pense que la souffrance que nous avons endurée pour les avoir nous oblige moralement à avoir un regard très particulier, très attentif à ce qui concerne la gestion. Et en cela, avec le SOM, nous sommes en train de travailler à la mise en place d'un groupe et d'une commission de gestion qui sera dirigée par les étudiants et supervisée par le SOM. Des 600 ordinateurs qui ont été remis au Centre national des œuvres universitaires, 300 seront mis à la disposition des étudiants des universités de Ouagadougou et les 300 autres à celles de Bobo-Dioulasso et de Koudougou. Pour les responsables du CENU, cette dotation va permettre la mise en œuvre du projet cybercentre universitaire. Des cybercentres qui seront érigés dans les cités universitaires au profit des étudiants résidents. Quel doit être le rôle de la presse audiovisuelle dans le contexte sécuritaire du Burkina Faso? Le Conseil supérieur de la communication ouvre le débat avec les promoteurs de médias. Il s'agit de définir de nouvelles pratiques pour repositionner les organes de presse dans la lutte contre l'extrémisme violent. La rencontre qui a débouché sur un communiqué final, une sorte de feuille de route pour les deux parties. On en parle avec Nyarki Teda. Espaco ne mourra pas et ne passera pas à une main étrangère non plus. C'est la conviction de la représentation nationale qui a déployé une mission d'information sur le terrain pendant cette 25e édition pour remettre le FESPACO sur orbite au regard des difficultés rencontrées dans l'organisation de cette biennale du 7e art. Et cette mission d'information mise en place par l'Assemblée nationale du Burkina à la lourde tâche de proposer des solutions pour mettre fin à la convoitise des pays africains qui veulent s'accaparer du FESPACO. Vous avez entendu qu'il y a beaucoup de pays qui sont nos voisins ou bien qui sont très loin de nous qui sont prêts à faire main basse sur le FESPACO. Vous avez entendu qu'on parle de plus en plus de privatisation du FESPACO. Il est important qu'on prenne parfois des textes de loi. Cette initiative du président de l'Assemblée nationale qui, dans la réflexion qu'il mène, c'est de faire en sorte pour que, à travers des textes de loi ou à travers des propositions de création de fonds, on puisse voir dans quelle mesure on peut relancer le cinéma burkinabé. Et comment, effectivement, on peut assurer la pérennisation du FESPACO. C'est la première fois depuis 48 ans que l'Assemblée nationale décerne un prix spécial à ce rendez-vous de la Biennale du 7e art. Ce prix d'une valeur de 7 millions de francs CFA a été décerné au réalisateur béninois Sylvestre Amoussou pour son long métrage « L'orage africain, un continent sous influence ». Le film a d'ailleurs été primé étalon d'argent de la sélection officielle. À travers ce prix spécial, l'Assemblée nationale veut, entre autres, promouvoir et défendre les valeurs démocratiques et de liberté des peuples et soutenir les productions cinématographiques de qualité. On retrouvera Nyarki Teda dans nos éditions, mais vous l'aurez compris, un élément sur l'Assemblée nationale qui a soutenu le FESPACO à travers un prix spécial, un prix remporté par le film « L'orage africain » de Sylvestre Amoussou du Bénin, par ailleurs étalon d'argent du palmarès officiel. Le jury de ce prix était face à la presse pour donner des détails et vous avez pu les suivre avec Nathalie Sawadougo. Musique à présent, Émile Le Chanceux a quant à lui présenté son dernier album au public la semaine dernière, un opus d'une douzaine de titres. Haruna Marie a écouté quelques titres pour nous compte rendu. Ce sont des notes musicales du tout dernier album de l'artiste musicien Emilio Le Chanceux. Dédicacé le 23 février dernier, l'album Élévation s'inscrit dans la tendance coupée, décalée et variété. 12 titres, 2 titres seulement enregistrés en Côte d'Ivoire et tout le reste c'est au Burkina ici. Donc cette fois-ci on a ajouté des Liwaga et j'ai fait un rythme warba à la tchadienne et avec Mandoué du groupe Yélène. Après son tout premier concert live en 2013, Emilio a encore rendez-vous avec son public
les 21 et 22 avril prochains pour une communion sans faille avec les fans, musiciens et danseurs, membres du groupe, répètent ici à longueur de journée pour harmoniser la rythmique et les pas de danse. Ça sera le spectacle jamais vu. Parce qu'en matière de chorégraphie, on a mis tout au point pour que les gens ne viennent pas seulement voir Emile chanter et puis écouter la voix d'Emile. Il y aura de la lumière, il y aura beaucoup de surprises. Ces deux concerts live vont donc servir de tribune à Emile Ilboudo pour retracer son parcours. Selon son staff, l'artiste va embarquer pour le Canada et les États-Unis à partir du 20 mars prochain. Une tournée qui sera mise à profit pour faire savourer sa mélodie au continent américain. On referme ce journal avec la revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Face aux attaques terroristes au Burkina, des OSC lancent l'appel de Ouagadougou, indique le pays. Il s'agit du cadre du M21 et de la Ligue des jeunes du Burkina. Ces OSC s'indignent de l'escalade abjecte de la violence en dénonçant avec la dernière énergie l'attentisme des autorités qui, fait-il savoir, ne réagissent pas à la hauteur des attentes du peuple burkinabé meurtri et indigné. Et invite par ailleurs le gouvernement à se pencher sur la situation des populations habitées par l'incertitude exacerbée. Aujourd'hui, au Faso nous fait savoir que l'Alliance pour la défense de la patrie, quant à elle, invite les autorités à consulter les généraux incarcérés à la Maca, faisant allusion à Djindéré et à Bassolé. Pour l'ADP, leurs conseils pourront leur permettre de trouver des solutions à ces attaques terroristes. Mais malheureusement, nous informe l'observateur Palga, un des généraux à la santé fragile. Il s'agit de Gibril Bassolé, qui, interné à la clinique du cœur, sera bientôt évacué à l'étranger pour des soins. Dans les colonnes de Sidoya, peut-on lire « Bujumbura dénonce la manipulation des Nations Unies ». Pour le premier vice-président burundais, Gaston Sindouo, le staff des Nations Unies au Burundi est manipulé par des hommes politiques et donne des rapports biaisés. Et le pays de se demander si la grande hypocrisie va-t-elle continuer. Le journal y répond par l'affirmative malheureusement et pense au vu du bilan des exactions commises par le satrape qui fait état de 500 morts selon l'ONU et près de 2000 morts pour les ONG que le peuple burundais serait mal inspiré de fonder tous ses espoirs sur le Conseil de sécurité. Car, explique ce journal, si l'ONU était dans une logique de faire rendre gorge à Nkurunziza, il y a longtemps qu'elle l'aurait fait, puisque les faits qui le lui permettent abondent. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.